Salut les gens, c'est Jimmy, du parti des potes partis et tout le tralala. Hein. Juste un petit live vite fait. Pourquoi je dis vite fait d'ailleurs? Peut-être parce que j'ai passé un peu de temps avec des gens qui avaient l'accent, c'est pour ça. Pour remercier rapidement, puisque je ferai un bilan plus détaillé, tous les gens qui ont participé à cet événement, la guinguette des riens, qui a eu lieu mercredi dernier, donc ça fait maintenant presque une semaine. J'ai pas pu venir en parler avant parce que y avait des gens qui étaient encore à la maison, qui sont partis, nos amis sont partis aujourd'hui. Donc je voudrais prendre 5 minutes pour essayer de partager avec tout le monde l'immense émotion que j'ai ressentie de voir tous ces gens qui sont venus des quatre coins de la France. Hein. Donc au niveau des entrées, on a eu 52 personnes qui sont venues. En plus de ça, nous on avait à peu près une douzaine d'amis, d'ados qui étaient déjà à la maison. Donc on s'est retrouvés à une bonne grosse poignée, 65-70. Alors c'est sûr, on n'a pas rempli Bercy, on n'était pas 2000, on n'était pas, certes. C'est sûr qu'on peut, on peut toujours faire mieux. Mais au moins on l'a fait. Et beaucoup de gens sont venus nous remercier d'avoir fait cet événement. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que sans vous, ce genre d'événement n'existe pas. Voilà. Donc aujourd'hui les amis sont repartis. L'émotion retombe. Alors évidemment, il va falloir que... Mais je m'en fous de Rugy. Je suis en train de faire un live pour remercier les gens d'être venus chez moi pour faire une soirée entre amis. Qu'est-ce que j'en ai à branler de Rugy, putain. Arrêtez un peu, merde. Ah, c'est pareil, ça. Rugy démissionne, vous criez au miracle. Je veux dire, c'est juste logique. Puis je m'en branle de Rugy. J'en ai rien à cirer. Je ferai un live plus détaillé en fait pour expliquer un peu les tenants et les aboutissants, mais voilà, je voudrais juste remercier du fond du cœur tous les gens qui sont venus à cette guinguette, les gens qui ont fait passer, les gens qui ont dormi sur place. Je voudrais remercier ces deux petits-enfants qui ont passé cette soirée autour du feu de camp avec moi, qui étaient très touchants. Des gens qui sont venus de Paris, des gens qui sont venus de Montpellier en camping-car, des gens qui sont venus de la Lorraine, enfin bref, des gens qui ont fait des centaines de kilomètres. Une très bonne ambiance. Évidemment, il faut que je remercie chaleureusement Damien, il faut que je remercie Vulfran, il faut que je remercie Fred, mais je veux pas rentrer dans les prénoms parce que forcément je vais oublier des gens. Il faut que je remercie mes enfants, leurs amis, ma compagne que j'aime plus que tout, enfin bref, tous ces gens qui ont pris la peine de se dire putain, allez, ouais. On va aller se mettre autour d'un feu de camp, on va écouter un peu de zik, on va manger un morceau, on va passer un bon moment ensemble. Je peux pas dire il y aura d'autres éditions. Pour l'instant, j'en sais rien. Je veux simplement venir partager 5 minutes avec vous pour vous dire toute l'émotion que ça a pu créer chez moi de voir tout ce monde. Venir dans notre maison et Tony qui est dans le live, merci Tony pour ton parapluie, il est juste magnifique, merci de m'avoir permis de rencontrer Christophe, Katia, tous ces gens qui m'ont amené des cadeaux aussi, qui m'ont beaucoup touché, enfin voilà quoi, je suis très très touché, je suis très heureux de voir que c'est possible. Que c'est possible, que quand on s'y met, qu'on sort les doigts du cul,
Et ben on peut faire des trucs super chouettes avec pas grand-chose, simplement parce qu'on était ensemble, parce qu'on était soudés. Une petite mention spéciale à mon Philippe Coquin qui est venu, je te l'ai dit Philippe, j'ai beaucoup de respect pour ta démarche, vraiment ça m'impressionne. Et voilà, donc le parti des pas de parti va continuer plus que jamais. On a tout ce qu'il faut dans les mains pour se sortir et changer ce putain de système. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. On a tout ce qu'il faut pour ça. Et le truc, c'est que c'est nous le changement. C'est à nous de prendre la décision. On a échangé tout un tas de trucs avec les gens qui sont venus. On a échangé des recettes de cuisine, des combines de jardinage, comment se faire de la lessive, comment se faire des pastilles de lave-vaisselle. On a beaucoup parlé du bricolage avec les palettes, le recyclage du bois. Donc les gens, je vais m'arrêter deux secondes. Les gens dans les commentaires qui sont en train de vomir des trucs sur les gilets jaunes, sur la démission de Rugy, j'en ai rien à foutre. C'est pas du tout le sujet du live. Et tous les gens qui ont mis des commentaires pour venir me bourrer le mou que De Rugy démissionne, j'en ai rien à foutre, je vais les supprimer. Voilà, si vous avez envie de baver là-dessus, faites ça sur vos pages. C'est pas du tout l'objet de ce live. Je suis en train de remercier des gens qui ont fait le déplacement et avec qui on a passé un excellent moment dans une soirée. J'ai pas du tout envie que De Rugy vienne dans le casting ou toute leur bande de merdeux, quoi. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Je ferai un live plus détaillé de toute façon pour faire un bilan de cette soirée. Mais non, j'ai pas le blues. T'étais en train de me dire, t'as le blues ou quoi pour être énervé. J'ai pas le blues, mais bonjour, je fais un live pour dire merci. De Rugy a démissionné, De Rugy a démissionné. Putain, c'est bon, j'ai compris, quoi. Putain, merde, quoi. La prochaine fois que vous ferez un live pour me parler de la pêche à la ligne, j'aimerais vous expliquer comment on change des plaquettes de frein. Vous allez voir comment ça va vous gonfler, quoi. Sans déconner, c'est chiant, quoi. Putain, vous pouvez pas de temps en temps respecter un tout petit peu le sujet du live, quoi. Je veux dire, dégueuler, je veux dire, on la connaît la situation politique, bordel, on a le nez dedans toute la journée, quoi. Alors, est-ce que de temps en temps, on peut pas s'extraire un petit peu du truc et puis essayer de se comporter un peu comme des humains, quoi. Vous espériez quoi d'autre de Rugy, sans déconner. Voilà, donc, je reprends le fil de ce que je disais. Je voudrais sincèrement remercier tous les gens qui ont fait le déplacement. Sans ces gens, tout ça, ça sert à rien. Voilà. C'est vous qui le faites, le changement. C'est en se réunissant, c'est en échangeant les uns avec les autres, c'est en comprenant assez facilement que c'est pas hyper contraignant de sortir du système, c'est pas hyper compliqué. Et en tout cas, voilà, on a passé vraiment un super moment tous ensemble. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur, quoi. Voilà. Je vous souhaite un excellent après-midi à tous. Moi, je vais retourner dans mon trou, faire le point de tout ça et essayer de faire en sorte que le stress et l'émotion redescendent. Plus que jamais, je vous souhaite de vous aimer les uns les autres. Vous allez voir, ça permet de passer des moments agréables ou à minima d'essayer de vous tolérer et vous êtes sûr que au bout d'un moment, ça finira par changer quand nous, on changera. Voilà. À ciao à tous et aimez-vous les uns les autres et ne regardez surtout pas la télévision. Je vous en supplie. À ciao. Salut.